calmez-vous, Pépito. Faites un petit tour. Voilà, faites un petit tour. Réfléchissez pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce que vous dites? Oh. Bonjour à tous, c'est Béré. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez spécial. Le burn-out au travail. C'est quoi le problème? Selon l'INAMI, le burn-out touche actuellement 80 000 personnes par an. Et attention, on ne parle que des Belges. Le burn-out est considéré comme une maladie grave pour certains, mais une mode pour les autres. Trop de gens pensent qu'on le fait semblant d'être un burn-out. Tu crois que le burn-out c'est le dernier iPhone qui vient de sortir ou quoi? Ah non, je ne fais pas la clé pour ça. Quoique. Qu'est-ce que tu fais là toi aujourd'hui? Tu fais la clé pour le burn-out et toi? Ah bon, c'est à la mode. Bon, je sais pas. Bon, tranquille. Hein. Bisous. À l'heure actuelle, le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie comme telle. Trop de gens pensent que c'est un moyen de faire le travail, de se reposer, patati patata. On constate que la plupart des personnes qui sont touchées par le burn-out, ce sont ceux qui sont les plus performants au travail. Mais ça, c'est un gros problème pour les entreprises. Oh, mais c'est ça le problème! Il faut savoir que le burn-out atteint souvent les personnes les plus performantes dans leur travail. Ce sont souvent les personnes les plus passionnées, les plus perfectionnistes. En gros, ce sont les personnes clés dans une entreprise. Non mais attends, Béry. Mais imagine-le, 2 secondes à un rendez-vous. Salut, moi c'est Céline, enchantée. Tu t'appelles comment toi? Enchantée, comptabilité bureautique. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Il existe 176 symptômes reconnus par le monde médical qui prouvent que vous êtes en épuisement professionnel. Parmi ceux-là, nous retrouvons les symptômes physiques et les symptômes psychologiques. On constate que la Belgique se retrouve avec le taux de burn-out le plus élevé de toute l'Europe. Le risque de burn-out augmente avec la charge de stress qui pèse sur certaines professions. C'est pourquoi dans les métiers les plus à risque, on peut retrouver des métiers tels que contrôleur aérien, commerçant ou bien même encore enseignant. Mais attention! Il existe plusieurs solutions afin de prévenir ou voire même de guérir le burn-out. Mais oui, c'est clair! Un des premiers conseils que vous donnera votre psychiatre ou votre médecin serait tout d'abord de vous déconnecter de tout ce qui pourrait être source de stress, c'est-à-dire vos téléphones portables, vos ordinateurs, etc. Ensuite, surtout, forcez-vous à prendre des pauses durant votre travail. Surtout, ne zappez pas tout ce qui est pause de 10h, pause de midi, ou même encore si vous avez la chance durant l'après-midi de prendre une pause, n'hésitez pas. Également, si vous avez l'occasion, je vous conseille de faire certaines séances de méditation afin d'apporter une certaine sérénité ainsi que des nouvelles ondes positives en vous. Et surtout, 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 n'oubliez pas d'avoir une vie en dehors du travail, de passer du temps avec votre famille, d'aller au cinéma, de sortir. Bref, changez-vous les idées. Ouais les gars, merci franchement d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve sur ma page qui est écrite ici. À la prochaine les gars.